c'est Mana, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle ouverture de booster Yu-Gi-Oh! Donc bataille de légende, vengeance impitoyable, donc toujours avec Kisara. Coucou. Donc je vais vous montrer un petit peu le booster, franchement je le trouve stylé. T'en penses quoi? Moi j'aime bien. Donc à l'intérieur, nous avons donc 5 cartes. Dans chaque booster, l'extension complète est composée de 65 cartes ultra rares. 4 par pack et 40 cartes secrètes rares, une par pack. Donc voilà. Donc avant de commencer, ce format de vidéo, donc, pour ceux qui ne savent pas, avant, quand on ouvrait des boosters ou des displays, on mettait en accéléré avec une musique, ça c'était beaucoup aimé et ça fait un petit moment qu'on n'a pas refait ça, donc on va refaire ça, mais vous inquiétez pas, je vais pas trop accélérer au niveau du montage et comme ça vous verrez bien les cartes et on vous reprend à la fin pour le récap. Voilà, donc j'espère que ça va vous plaire, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo, à vous abonner si vous le souhaitez, et puis si vous venez de nous découvrir et puis que vous aimez bien nos vidéos, n'hésitez pas à activer la petite cloche pour rien louper sur la chaîne. Donc voilà, sur ce, nous on vous dit au récap et nous on va commencer l'ouverture. Tout le monde, on se retrouve pour le récap. Donc hop 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 et hop, donc je vais vous montrer les secrètes. Donc les chevaliers fantômes, je vais les garder.
À la limite, celui-là, il peut partir. Donc, on l'a déjà. Elle aussi, elle peut partir. Et le deuxième chevalier fantôme. Donc, que je vais garder. Franchement, je suis trop contente de les avoir chopés. Donc, parce que je vais essayer de me refaire le deck. Et du coup, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous en avez à l'échange. Ce serait toujours chouette. Voilà. Donc, un petit calice du monde. Et toi, Kisara, t'en as pensé quoi de l'ouverture? Ah, j'ai trouvé qu'on a eu des bonnes cartes. Donc, la cage de fer que je vais garder, la sauce solennelle également. Mais après, je pense que le reste pourra partir. Celle-là que je vais garder. Et celui-là aussi. Et ça peut partir également. Donc voilà, donc c'est là-dessus qu'on va vous laisser. Hop. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Si vous avez bien aimé au niveau de ce format de vidéo. Donc retour un petit peu en arrière. Donc ça fait toujours du bien, comme on dit. Donc sur ça, on vous laisse là. On vous dit merci d'avoir regardé la vidéo. Amusez-vous bien. Jana.